Bonjour et bienvenue au lac du Der en Haute-Marne, autour de ma 2 chevaux barbecue pour cuisiner dans un cadre magnifique. Alors, je m'appelle Alexandre Hurson, j'ai été 7 fois champion de France de cuisine au barbecue et depuis 2017, je réalise des recettes vidéo sur ma chaîne Sur le Grill. J'ai également sorti un livre de recettes aux éditions Larousse et j'ai transformé une carcasse de 2 chevaux en mini food truck avec lequel je fais des animations. Alors, vous n'avez que partiellement raison, puisque vous vendez toute l'année des saucisses, des merguez ou d'autres morceaux de viande que l'on peut cuisiner au barbecue. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous montrer que le barbecue peut se faire toute l'année et surtout sortir du concept saucisse merguez pour bien comprendre les différentes cuissons. Avec un barbecue à couvercle, ce que l'on cuisine dedans, ça revient à cuisiner avec un four traditionnel. Et lorsqu'on cuit des choses avec un foyer ouvert ou une plancha, ça revient à cuisiner dans une poêle. Effectivement, en ce début d'automne, on a tendance à faire des bons petits plats mijotés qui sont réconfortants. Mais tenez, prenez l'exemple d'un morceau de bœuf comme le paleron, qui se fait traditionnellement au pot-au-feu. Mais moi, j'ai aucun problème à le faire en grillade. C'est possible, et cette idée, je la tiens même de l'équipe des bouchers de l'Intermarché de Saint-Dizier. Alors, en premier temps, ils me sélectionnent un morceau de paleron pour ses qualités bouchères issues d'une race à viande. Et dans un deuxième temps, le boucher me lève le nerf qui relie les 2 morceaux. Ensuite, je découpe des petits pavés que je vais légèrement huiler et que je vais assaisonner avec un mélange de fleurs de sel, de cumin, de paprika et d'origan. Je frotte bien la viande que je vais laisser mariner pendant 12 heures au frigo. Passé ce temps, il ne me reste plus qu'à snacker la viande au barbecue. Je découpe la viande en petites lamelles. Je finis par assaisonner avec une huile aromatisée à la truffe. Et voici une idée de recette de paleron réalisée au barbecue que vous pouvez reproduire très facilement aussi bien chez vous à la plancha, au barbecue ou dans une poêle. Allez, tenez, servez-vous. Vous voyez, les consommateurs, ils n'attendent que ça. Qu'on leur propose des nouvelles choses, innovantes et très accessibles. L'idée de retirer le nerf et d'assaisonner, c'est top et c'est hyper accessible à tout le monde pour reproduire la cuisson au barbecue, à la poêle ou à la plancha. Alors il en reste un petit peu, on se resserre. Et puis moi, je vous dis rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode sur la SVA TV Jean Rosé.